Daf Hayomi Hulin, Daf Vav, Hamoud Aleph, quatrième ligne. Umay Tama Gazru Behu Rabanan, Ki Ha, de Rabbi Shimon ben Elazar, Shadre Rabbi Meir le Atouye Hamra, Mi Bekotae, Ashkehea Usaba Amarlo, Vesamta Sakin Beloacha, Im Baal Nefesh Ata. De quoi s'agit-il ? On avait appris longuement le din des Koutim. Quel est le statut de ce peuple, de cette peuplade ? Il s'agit de personnes qui initialement étaient des goïms. À l'origine, c'est le roi Sanhérib qui les avait installés en Eretz Israël, en les amenant du pays de Kouta. Et quand ils étaient installés à Shomron, en Samarie, ils continuaient de faire Avodah Zara jusqu'au jour où ils ont été attaqués par des lions. Et là, ils se sont convertis au judaïsme par la peur d'Hachem. La mahloket était de savoir est-ce que cette conversion était valable ou pas. Si ce n'est que par pression, par la peur des lions, guéré Arayot, alors la conversion n'est pas valable. Ils ont un statut de goïm. Minatora, ce sont des goïm. Mais il y a une deuxième version selon laquelle leur guéroute était valable. Pourquoi ? C'est vrai qu'à l'origine, ils ont eu peur des lions, mais ensuite, ils ont fini par adhérer complètement au judaïsme. De ce fait, leur guéroute est absolument valable. La Gemara maintenant nous dit comme ça. Maïtama gazru behu rabanan. Pourquoi les hachamim ont décrété sur eux le statut de goyim? Réponse, ki ha de Rabbi Shimon ben Elazar. Par rapport à l'histoire de Rabbi Shimon ben Elazar, Shadre Rabbi Meir le atouye hamra mi bekutae. Un jour Rabbi Meir l'a envoyé acheter du vin chez les Koutim, en Eretz Israël. Ashkehe haouz saba. Et voilà que Rabbi Shimon ben Elazar croise un vieillard. C'est qui ce sabbat? Tosfot disent que Yesh Mefarshim, de Kol Makom Shumazkir ou sabbat ou Eliyahu An-Navi. Certains disent que c'est Eliyahu An-Navi qui est le sabbat, qui est le vieillard qui s'est présenté à Rabbi Shimon ben Elazar au moment où il était en train d'aller acheter du vin pour Rabbi Meir Baal HaNes. Il lui a dit, ce zaken va dire à Rabbi Shimon ben Elazar, attention, ne bois pas de ce vin, c'est du vin non kasher. Il lui a dit comme ça, il lui a cité un pasouk de Michelet. Amarle vesamta sakin beloecha imbaal nefesh ata. Qu'est-ce que ça veut dire? Prends un couteau et mets-le dans tes joues plutôt que de boire ce vin-là. Il vaut mieux enfoncer un couteau dans tes joues plutôt que de boire ce vin-là. En d'autres termes, le vin des Koutim n'est pas cachère. Halach Rabbi Shimon ben Elazar ve siper advarim lifnei Rabbi Meir. Lorsque Rabbi Shimon ben Elazar a entendu cela, il a été raconté cette histoire à Rabbi Meir Baal HaNes. Gazar alehem ve gazar alehem. Qu'est-ce qu'a fait Rabbi Meir? Il a été gozer que le vin des Koutim s'est considéré du vin Neser et donc interdit. Alors la Gemara raconte Amar Rav Nachman Bar Yitzchak Demut Yona Matzou Lahem Berosh Har Gerizim. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak Demut Yona Matzou Lahem Berosh Har Gerizim Sheayu Ovdim Ota. En fait, on a trouvé chez eux, dans le mont Gerizim, qui faisait partie du territoire occupé par les Koutim, là-bas, ils ont trouvé une statue en forme de colombe
qui servaient de Avodah Zara. Hayu Ovdim Ota. Donc ils ont vu qu'en fait, ce sont des Moumarim, la Avodah Zara. Donc ils ont interdit leur vin, de peur que leur vin soit du Yaïn Neser, la Avodah Zara. Verabi Meir, les Tarmé de Haïch, les Mi'outa, Vegaza Ruba, tout Mi'outa. Qu'est-ce que ça veut dire? Normalement, on n'aurait pas dû décréter sur l'ensemble des Koutim un statut de Goïm et de dire que leur vin, c'est du Yaïn Neser. Peut-être qu'ils en ont fait libation à l'idole. Pourquoi il ne fallait pas? Parce que ceux chez qui on a trouvé la colombe n'étaient qu'une minorité de Koutim. Ce n'était pas la majorité des Koutim. Pourquoi tu vas interdire le vin de tous les Koutim à cause d'une minorité? Mais nous connaissons la règle de Rabbi Meir. Rabbi Meir Ba'al Anes, Haïch le Mi'outa. Rabbi Meir, lui, tient compte de la minorité. Au niveau des Humrot, pour interdire, il s'appuie sur la minorité. Pour autoriser, on ne peut pas s'appuyer sur la minorité pour autoriser. Il faut aller selon la majorité. Mais pour interdire, on peut s'appuyer sur la minorité. Puisqu'il y a une minorité de Koutim qui faisait Avodah Zara, donc ils ont un statut de Moumarim la Avodah Zara, on a interdit leur vin. De peur qu'il ait utilisé comme libation pour la Avodah Zara, libation de vin. Alors, ça c'est Rabbi Meir, Gazar Alehem, que leur vin c'est Yaïn Neser. Verabban Gamliel Ubeddino, Nami que Rabbi Meir Svirale. Hier on a étudié déjà que Rabban Gamliel, le fils de Rabbi Uda Nassi, avait également décrété que la shrita d'un kouti est interdite. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme la shrita d'un goy. Nachon? À quelle époque a vécu ce Rabban Gamliel? Avant ou après Rabbi Meir Ba'al Anes? Après. Bravo. Puisque Rabbi Meir Ba'al Anes était le rav de Rabbeinu HaKadosh. Et celui-ci, Rabban Gamliel, c'est le fils de Rabbeinu HaKadosh. Donc il vient juste après. Alors lui, Rabban Gamliel, il pensait comme Rabbi Meir qu'il faut être hoshesh le mi'out, qu'il faut prendre en considération la minorité. Et puisqu'une minorité de Koutim faisait Avodah Zara, on a trouvé chez eux la colombe, il faut interdire à cause de cette minorité tout le vin des Koutim et toute la shrita des Koutim. La Gemara maintenant nous dit la chose suivante. Pashté Dekrab et Maiktiv. Le Pasouk qu'a cité le Zaken, qui a dit à Rabbi Shimon ben Elazar, attention, ne bois pas du vin des Koutim. Il vaut mieux faire entrer un couteau dans ses joues. Vesamta Sakin Beloecha, Imbaal Nefesh Ata. Si tu es quelqu'un qui a une âme, quelqu'un qui est Adam Kacher, un homme positif, ne boit pas de ce vin. Ça, c'est un pasouk. Mais ce pasouk, il parle de quoi? À quoi il fait allusion? Le pshat de ce pasouk, Bemaï Ketiv, puisque le pasouk, il ne parle pas de quelqu'un qui mange non kacher, alors de quoi il parle? Betalmid Ayoshev Lifne Rabo. On parle d'un Talmid qui est assis devant son rav en train d'étudier la Torah. Détané Rabbi Hia, qui t'échève l'ilhom et moshel, bin tavin et asher lefanecha, vesamta sakin beloecha, im baal nefesh ata. Im yodea talmid berabo, she yodea lehzir lo ta'am, bin, ve im lav, tavin et asher lefanecha, vesamta sakin beloecha. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ce pasouk commence par nous dire la chose suivante.
Qui teshev l'ilhom et moshel bin tavin et asher lefanecha. Si tu vas t'asseoir manger du lechem, du pain, avec le gouverneur, bin tavin et asher lefanecha. Réfléchis à qui tu as affaire. Si c'est quelqu'un qui ne te donne pas de bon cœur à manger, il vaut mieux que tu mettes un couteau dans tes joues, que tu t'enfonces un couteau dans la bouche, plutôt que tu manges son pain d'un aïnara, d'un ra'aïn. Al tilhom et lechem ra'aïn, ve al titav le mat'emotav. Ne goûte pas à ces bons plats. Quelqu'un qui te donne pas de bon cœur, ça ne va pas te porter bonheur. Donc répétons. Ki teshev lilhom et moshel. Bin tavin et asher lefanecha, vesamta sakin beloecha, imbaal nefesh ata. Ce sont deux psukim consécutifs dans le livre des proverbes de Shlomo Ameler, Sefer Mishlei. De quoi ça nous parle? Ici, la Gemara nous dit que ça fait allusion à quel lehem? À la Torah. L'étude de la Torah s'appelle lehem. Lechu lahamu belahami ushtu beyain masarti. Mangez mon pain. Buvez mon vin. Le vin, c'est le sod de la Torah. Yaïn en valeur numérique 70. Sod en valeur numérique 70. Le vin, c'est ce qu'on extrait du fruit, du raisin. Ainsi, le secret de la Torah, c'est quelque chose qui se trouve en profondeur. Alors, va manger le pain, c'est le pshat de la Torah. Va boire mon vin, c'est le sod de la Torah. Quand tu vas t'asseoir, manger du pain avec le Moshel. C'est qui le Moshel? C'est l'enseignant de Torah. Lui, tu vas lui poser des questions. Soit il sait répondre, soit il ne sait pas répondre. S'il sait répondre, pose-lui les questions. Bin va comprendre le sujet. Alors pose-lui les questions. Mais si tu sais qu'il ne saura pas répondre, alors ne lui fais pas honte, ne lui pose pas les questions. Tavin et asher lefanecha. Et donc, sim sakin beloecha. Prends un couteau et mets-le dans tes joues. Comment? Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire. En d'autres termes, tu as une envie folle de parler. Ta bouche, elle brûle. Tu as envie de parler. Et tu dis, aïe, je m'abstiens. Je mets un couteau dans mes joues. En quelque sorte. Pour moi, c'est tellement douloureux de ne pas parler, c'est comme si je mettais un couteau dans mes joues. Eh bien, on te dit, Sim sakin beloecha, im baal nefeshata. Si tu es quelqu'un de fin, baal nefesh, alors ne lui pose pas une question à laquelle il ne saura pas répondre. Mais après, à un moment donné, tu dis, attends, mais moi, je n'ai rien compris. Ok, je ne vais pas lui poser les questions, mais je vais sortir d'ici sans comprendre le sujet. Alors on te dit dans ce cas, Peroshi Menu, dis-lui bye bye, tu t'en vas, tu vas étudier ailleurs, là où tu peux comprendre. Donc, quand tu sors d'une étude, tu dois sortir avec une compréhension, tu dois sortir avec quelque chose. Si on ne te permet pas de comprendre, alors pourquoi tu viens? C'est ça ce que nous dit le Passouk. Tu poses les questions lorsque tu sais qu'il a la réponse. Mais sinon, essaye de comprendre tout seul, de déduire tout seul. Et si tu vois que ça, tu n'arrives pas, alors Peroche et Menou. Imbaal Nefesh Ata, ça veut dire quoi Nefesh? Le mot Nefesh, ici, ça a une connotation différente. Le mot Nefesh, ça veut dire Ratson, volonté. Comme on retrouve chez Avraham Avinu quand il a dit aux gens de Het, il leur a dit de lui vendre, mais Arat Amarpela. Il leur a dit, Imyesh et naf shechem likvor et metim ilefanay. Shemaoni ufigouli be'efron ben tsoha. Veiten li et me Arat Amarpela. Ça veut dire quoi, Imyesh et naf shechem? Rachid dit, Imyesh et retsonchem. Le ratson dans la Torah s'appelle nefesh. Car une personne vivante, c'est une personne désireuse. Toute la vie,
L'homme, qu'est-ce qu'il a? Il veut. Il veut et il veut. C'est quoi l'homme? C'est une volonté. C'est une volonté permanente. Toute sa vie, il est dans le désir. Toute sa vie, il est dans l'envie. Il a besoin, il veut, il veut, il veut. Qu'est-ce que tu veux? Je veux. On verra après quoi. D'abord, je veux. Quand il veut de l'argent, c'est non-stop. Ohev kesef, lois bar kesef. Celui qui veut de l'argent, yeshlom anerot sematayim. On lui donne 100, il en veut 200. Et Hachamim disent, en adam met vehatsita avato biyado. Un homme, lorsqu'il quitte ce monde, il n'a même pas la moitié de ses désirs. Alors on dit, c'est une contradiction. Tu m'as dit que quand il a mané, ça veut dire 100 zouz, il en veut 200. Ça veut dire qu'il a déjà la moitié. Alors pourquoi tu dis qu'il n'a même pas la moitié? C'est contradictoire. Tu me dis qu'un homme, quand il meurt, il n'a même pas la moitié de ses désirs accomplis. Mais tu m'as dit que quand il a 100, il veut 200. Donc, quand il a 100, il a au moins la moitié? Non. Quand il a 100, il veut encore 200. Ça veut dire qu'il n'a même pas la moitié. Il veut en tout 300. Il n'a que 100. Donc, il n'a même pas la moitié. Im yesh et nafshechem. Nefesh seratzon. Et pourquoi le ratson s'appelle nefesh? Parce que tant que l'homme a un nefesh, il a du ratson. Alors c'est ce qu'il lui dit. Sim sakin belo echa im baal nefesh ata baal nefesh. Ça veut dire baal ratson. Si tu as le ratson de comprendre le sujet et tu n'arrives pas à comprendre avec ce rave, eh bien va voir un autre rave qui pourra t'expliquer. Perosh emenu. Maintenant, la Gemara a terminé avec cette histoire. C'est pour simplement, entre parenthèses, nous expliquer ce passouk. Quel rapport ce passouk avec le sujet? Je répète. D'abord, la Gemara nous a présenté l'histoire de la Takana, le décret contre les coutumes. Deux décrets contre eux. Premièrement, leur vin est considéré Yain Neser. Deuxièmement, leur Shrita est considéré Shrita d'un goy. Alors la Gemara pose la question, Maïtama Gazur Behu, pourquoi est-ce qu'on a fait cette Gezera contre eux? La Gemara a expliqué que cette Gezera a eu lieu parce qu'on a trouvé chez eux une Avodazara, une colombe, qui est une idole, une statue sous forme de colombe dans le Har Gerizim, dans le mont Gerizim. On a compris qu'en cachette, ils faisaient Avodazara. D'accord, mais ce n'est qu'une minorité. Ce n'est pas la majorité des Koutim. Malgré tout, Rabbi Meir et Rabban Gamliel, Haïch le Mi'outa. Ils prennent en considération la minorité pour faire une Gezera, la Humra. Et donc ils ont interdit tout le vin de tous les Koutim, la Shrita de tous les Koutim, à cause de la minorité. Et comment est-ce que l'histoire concrètement a eu lieu? C'est lorsque Rabbi Meir a envoyé son élève, Rabbi Shimon ben El-Aza, pour lui acheter du vin chez les Koutim. Et il a croisé chemin faisant un Zaken, un Saba, qui lui dit, attention, simsakin belo aichaim baal nefeshata, il vaut mieux mettre un couteau dans ta bouche plutôt que de boire ce vin. Il a été raconté ça à Rabbi Meir qui a décrété contre eux le issour de Yain Neser à cause de la colombe. Et après la Gemara dit, ok, il lui a cité ce pasouk, mais ce pasouk il parle pas de manger kasher ou pas kasher. Alors de quoi il parle le pasouk? La Gemara nous dit, ce pasouk fait allusion à une nourriture spirituelle, à savoir l'étude de la Torah. Si tu veux apprendre la Torah, et tu étudies chez un rav, et tu vois qu'il ne répond pas à tes questions, parce qu'il ne sait pas répondre, ce n'est pas la peine de l'humilier forcément. Va chercher, alors essaye de comprendre tout seul. Abstiens-toi, mets un couteau dans ta bouche et tu ne lui fais pas honte. Mais si, à force de cela, tu es frustré, tu dis « je ne comprends plus rien », eh bien, proche aimez-nous. Imbal nefeshata, tu as un ratson d'étudier, de comprendre. Eh bien, va étudier là où tu vas comprendre. Ça, c'est la fin de la parenthèse de la Gemara. Donc, on a dévié du sujet des Koutim, et maintenant, la Gemara revient au sujet des Koutim. Rabbi Yitzhak ben Yosef, Shadre, Rabbi Abahu, Leatouye Hamra, Mibekutae. Encore une histoire que la Gemara raconte. Un jour, Rabbi Abahu a envoyé Rabbi Yitzhak ben Yosef aller lui acheter du vin chez les Koutim. Ashkehe Aou Saba, il a croisé encore un vieillard, un Saba. Amarle,
Litkan Shomre Torah. Il lui a dit, attention, ici, dans cet endroit, il n'y a pas d'observant des mitzvot de la Torah. Hala Rabbi Yitzhak, Vesiper Advarim Lifne Rabbi Abahu. Rabbi Yitzhak est parti, et il a raconté cela à Rabbi Abahu en lui disant, attention, chez les Koutim, il n'y a pas de Shomer Torah. Personne là-bas n'observe la loi de la Torah, et donc le Yahin, c'est un Yahin Neser, comme le Yahin Neser. Hala Rabbi Abahu, Siper Advarim Lifne Rabbi Ami, Verabbi Asi. Rabbi Abahu a raconté cela à deux grands maîtres de la génération. L'un s'appelait Rabbi Ami et l'autre s'appelait Rabbi Assi. Lozazu Misham ad she'asaum ke'ovdei kochavim gmurim. Ils n'ont pas quitté l'endroit, c'est-à-dire dans ce même Mahamad, ces rabbanim ont siégé et ils ont décrété que les koutim ont un statut de Goïm Gmurim. Carrément. Donc là, c'était Chlet. La Gemara dit, à cause de l'histoire, comme on a dit, de la colombe qu'ils avaient trouvée. Mais après ça, le sabbat qui a confirmé, le sabbat encore qui a confirmé. Et la Gemara pose la question, elle dit, je ne comprends pas. Les Mayas, ils ont décrété le statut, que le statut des Koutim, c'est un statut de Goï. Par rapport à quoi ? Il est shchita v'yain neser, mais atam gazru be'ur rabanan. Si c'est pour dire que la shchita des koutim, c'est comme la shchita d'un goy, si c'est pour dire que leur vin, c'est comme le vin d'un goy, mais ça y est, Rabbi Meir Ba'al Hanes a déjà décrété par rapport au yain. Rabban Gamliel a déjà décrété par rapport à la shchita. Alors qu'est-ce que Rabbi Ami, Rabbi Assi, qui sont d'une génération ultérieure, ont rajouté de plus? La Gemara de répondre, Inhu gazru velo kiblu minayhu. Atu Rabbi Ami ve Rabbi Assi, gazru ve kiblu minayhu. Qu'est-ce que ça veut dire? À l'époque de Rabbi Meir Ba'al Hanes et de Rabban Gamliel, lorsque eux ont décrété que les Koutim ont un statut de goy par rapport à la Shrita et le Yahin Neser, ça n'a pas été admis par la population juive. Le peuple juif n'a pas accepté cette Gezera. Ils ont dit non, nous, on continue d'acheter le vin chez les Koutim. On continue de manger la shrita des Koutim. On n'accepte pas votre Gezera. Ensuite, Rabbi Ami, Rabbi Assi ont décrété et leur Gezera a été admise. Comment ça se fait? Quelle différence? Pourquoi Rabbi Ami, Rabbi Assi ont eu cette chance d'être admis alors que Rabbi Meir Ba'al Hanes et Rabban Gamliel, non? Ils n'observaient pas du tout la Torah. Donc, s'ils n'acceptent pas la Torah, c'est qu'ils ne font pas du tout de mitzvot à la lettre. Hazak Rabbi Haïm. Le Ramban Nahmanid nous dit la chose suivante. Il dit que, à l'époque de Rabbi Meir et Rabban Gamliel, ce n'était que mi'out. Ce n'était que une minorité de la population des Koutim qui transgressait la Torah, qui faisait Avodah Zara. Et comme on a dit, c'est que le chidouche de Rabbi Meir, qui est Hoshesh Lemi'outa, Rabbi Meir Ba'al Hanes a innové ce concept de prendre en considération le Mi'out. Alors, en effet, ça c'est quelque chose qui n'est pas admis par tous les Hachamim. Les Hachamim, ils vont d'après le Rov. Ahare Rabbim Lehatot. La Torah dit que c'est la majorité qui définit la Halakha. Pas la minorité. Bon, Rabba. Tandis que, à l'époque de Rabbi Ami Rabbi Assi, le déclin spirituel des Koutim a été en se dégradant davantage, et jusqu'à ce que la majorité des Koutim sont devenus Ovdei Avodah Zara. Et donc, quand Rabbi Ami Rabbi Assi on fait cette gezera de dire qu'on n'a plus le droit de boire le vin des Koutim ou de manger de leur shrita, ça a été admis par le Klal Israël, car en effet, tout le monde a compris qu'ils avaient raison, puisque la majorité des Koutim, désormais, s'était totalement dégradée, et ils étaient Ovdei Avodah Zara.
Alors qu'à l'époque de Rabbi Meir et Rabban Gamliel, ce n'était qu'une minorité de la population de Koutim qui faisait Avodah Zara. Et ce n'était que Rabbi Meir qui a Hoshesh les Mi'outa. Chaque génération, c'est les rabbinis qui décidaient, donc il n'y avait pas... S'ils avaient décidé qu'à cette époque-là, il ne fallait plus le prendre, bien, même si c'était une minorité-majorité, quand il y a une décision des rabbinis ou des Zeras, il n'y a pas à discuter. Excellent. Mais Rabbi Meir n'était pas seul dans sa génération. Il avait des contemporains. Ses contemporains se sont opposés à lui. Dans quel sens? Que lui, il était... Exactement. Lui, il était Hoshesh les Mi'outa. Lui, il était Hoshesh la Mi'out. Mais les autres Hachamim disent que non. On tient compte que du Rov, pas du Mi'out. Que de la majorité, pas de la minorité. Et la Gemara continue et pose la question, qu'est-ce que c'est que ce terme-là de Gmurim? Quand on a dit que Rabbi Amir, Rabbi Assi ont décrété que le statut des Koutim désormais serait le statut de Goy Gamour. Avde Kochavim Gmurim. Qu'est-ce que ça veut dire Gmurim? Pourquoi il y a il y a des degrés, il y a une graduation dans le goïsme. Qu'est-ce que ça veut dire Gmurim? À tous les niveaux, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on voudrait inclure si ce n'est pas par rapport au sujet du Yain Neser? Si ce n'est pas par rapport à la Shechita, c'est par rapport à quoi? Amar Rav Nachman Bar Yitzhak, Levat Tel Reshut. Levatel reshut veliten reshut. Ukdetania Israël mumar meshamer shabato bachuk mevatel reshuto venoten reshuto. Veshe eno meshamer shabato bachuk eno mevatel reshut venoten reshut. Mipene shamru Israël noten reshut ou mevatel reshut. Uberoved kochavim aache iskor. Ketsad, Amarlo Reshuti Kenuya Lecha, Oreshuti Mevutelet Lecha, Kana Veno Tsarich Lezkot. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que pendant Shabbat, on n'a pas le droit de transporter un objet dans le domaine public. On n'a pas le droit non plus de transférer un objet du domaine privé au domaine public. Ça, c'est Minatora. Mais Midera Banane, c'est assour même de transférer un objet d'une maison privée à une cour commune. Si par exemple, il y a plusieurs maisons dans la cour, on n'a pas le droit de transporter un objet de la maison à la cour. Pourquoi? Parce que Hachamim ont dit, si on permettait une chose pareille, alors les gens pourraient faire une confusion. Ils vont dire, la maison c'est un domaine privé, la cour c'est un domaine public. Ça appartient à tous les colocataires et copropriétaires. De la même façon qu'on a le droit de faire sortir un objet de la maison à la cour, au Hatser, ainsi on aurait le droit de faire sortir l'objet du Reshut Ayahid au Reshut Arabim. C'est la raison pour laquelle ils ont dit que pour pouvoir transférer un objet de la maison au Hatser, il faut faire Eiruvé Hatserot. Qu'est-ce que c'est que Eiruvé Hatserot? C'est que chaque vendredi, on allait passer dans toutes les familles et chacun allait mettre son pain dans la corbeille. Chacun allait mettre son pain dans la corbeille. Voilà, vous avez ici la corbeille. Chacun a mis son pain dedans. Maintenant, on est tous associés. On pose cette corbeille où? Dans une maison. C'est comme si on habitait tous dans cette maison où on a déposé notre pain. Car la personne, elle habite là où il y a de quoi manger. C'est Icar dirato chez Adam, mais comme Achilato. L'homme, il habite là où il a la possibilité de manger. Puisqu'il a posé son pain là-bas, c'est comme si on habitait tous dans cette maison. Donc ça fait que désormais, il n'y a qu'une seule maison, et il n'y a qu'un seul Hatser. Donc ça ne ressemble plus à Reshut Ayahid et Reshut Arabim. Tout est Reshut Ayahid, puisque le Hatser n'appartient qu'à une seule maison, là où tout le monde habite. Ça, c'est la Takana de Shlomo HaMelech. Eiruvé Hatserot. Maintenant, on fait ça autrement. On prend un paquet de matzah, une fois par an, puisque nous avons la chance d'avoir du sous-vide
Alors, la matzah, elle reste consommable et comestible pendant toute l'année. On n'a pas besoin de faire ce Eruv et Hatzerot tous les vendredis. Mais à l'époque, il n'avait pas de longue conservation. Il devait faire ça chaque Erev Shabbat. Nachon ? Manger ce pain ? Pas obligé. On doit pouvoir le manger, mais pas obligé de le manger. Il dit que c'est un Eruv Tov. Vous parlez de Eruv et Tavshilin, vous parlez. Moi, je parle de Eruv et Hatzerot. Voilà. C'est d'un Rabbalecha. Vous avez comparé un peu des... C'est qu'elle a mis de son autre. Maintenant, c'est par rapport aux Juifs qui habitent dans le Hatzer. Mais si on a un Goy qui habite dans le Hatzer, il faut aller le voir et louer sa propriété. En disant, puisque tu as une part dans les parties communes, nous on voudrait te louer cette part. Tiens de l'argent, et en contrepartie, tu nous loues ton droit. Ça ne va pas t'interdire de passer par là, mais tu vas passer comme un étranger, pas comme un propriétaire ou locataire. Et pourquoi Hachamim ont fait cette takana d'aller louer chez le Goy sa part? C'est pour nous compliquer l'existence, de manière à ce que notre voisinage avec le Goy n'est pas sympathique, n'est pas agréable. Tu dois faire des démarches compliquées. Tu vas le voir, le Goy va te dire, c'est quoi cette histoire? Laisse-moi tranquille. Pourquoi il va te dire, laisse-moi tranquille? Il va avoir peur que tu veux l'ensorceler. Tu veux faire de la magie. C'est quoi cette histoire? Tu me donnes l'argent, tu me dis, je te donne ma propriété. Il va avoir peur. Hachamim, exprès, on fait ça pour qu'on n'ait pas de facilité à vivre en voisinage avec les goïms, parmi lesquels on pourrait s'assimiler. Ok. Maintenant, qu'en est-il de quelqu'un qui a oublié de faire Eruv Hatzerot? C'est-à-dire, tout le monde a mis son pain dans la corbeille. Il s'est avéré qu'il y a eu un des locataires ou l'un des propriétaires qui n'a pas mis son pain dans la corbeille. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il bloque tout le monde. À cause de lui, plus personne ne peut faire Eruv. Pourquoi? Parce que même si on va considérer que tout le monde habite dans cette maison, mais il y a aussi sa maison à lui. Et sa maison, puisqu'il n'a pas mis de pain dans la corbeille, donc il est considéré comme étant un locateur seul, à part qui est maintenant, ça fait deux maisons. Même s'il est seul, mais ça fait deux maisons. Et le Hatzer appartient à ces deux maisons. Donc on a toujours le problème. Il bloque tout le monde. Non. Dès qu'on a deux maisons, on a un problème. Dès qu'il y a eu un juif qui n'a pas participé au Eruv, il bloque tout le monde. Quelle est donc maintenant la solution? On est là pendant le Shabbat et on est bloqué. Il y a une solution. Si lui, il est Mevatel Reshuto, il dit Reshuti Knuya Lecha ou Reshuti Mevutel Et Lecha. Il dit aux autres, Rabotai, faites comme si je n'existais pas. Je ne suis pas là. Je ne suis pas propriétaire. Ma maison ne m'appartient plus. Elle est Batel. De ce fait, lui-même, quelque part, il s'est déconnecté. Il n'est plus le propriétaire individuel d'une propriété qui fait que je suis là. Non, il est Mevatel Reshuto. Il donne son reshout à tout le monde. Alors, désormais, tout le monde va pouvoir transporter, sauf lui, puisque lui, il n'est, ça veut dire lui, il ne pourra pas transporter, puisque de chez lui à l'autre, on a dit qu'il n'a pas participé au Eruv. Mais tout le monde pourra transporter. Pas de cette maison, mais de toutes les maisons au Hatzer. Quel est le din Rabotai si cet homme-là était un Kouti? D'une part, c'est un juif. Mais Kouti, il est juif, non? Après, ça dépend. Oui. Quel est le din si c'est un Mehalel Shabbat? Oui. Juif? Si c'est un juif qui est Mehalel Shabbat. Oui. Non. Alors? Quel est son statut? Il est comme un goy. On peut voir ce qu'on a. Un juif Mehalel Shabbat, il est comme un goy.
Alors à Botaï, un Mechalel Shabbat, il y a deux catégories. Il y en a un qui est Mechalel Shabbat devant tout le monde, qu'on appelle Mechalel Shabbat Befarhesia, en public. Et il y a un Mechalel Shabbat en cachette. Il n'ose pas faire Hilul Shabbat devant tout le monde. Ça n'a pas le même statut. Un Mechalel Shabbat qui fait ça Befarhesia est considéré comme un goy. Et par conséquent, il ne pourra pas être Mevatel Reshut. Mais s'il est Mechalel Shabbat en cachette, il est considéré comme un juif. Bien qu'il ait Mechalel Shabbat. Mais il n'ose pas faire ça publiquement. Celui-ci est considéré comme un juif, les Inyan, Hilul Shabbat. Par conséquent, si c'est en plein milieu du Shabbat, ce locataire-là ou ce propriétaire s'est avéré qu'il n'a pas participé au Eruv, est-ce qu'il peut faire Bitul Reshut? S'il est Mechalel Shabbat en cachette, oui. S'il est Mechalel Shabbat Befaresia, non. Le Kouti, il est considéré comme un Mechalel Shabbat Befaresia, comme un goy, qui ne peut pas être Mevatel Reshut. Et c'est ça le Inyan. Regardez. Maïrov de Kochavim Gmorim. Amar Rav Nachman Bar Yitzchak Levatel Reshut Veliten Reshut. Ur de Tanya Israël Mumar. Ameshamer Shabbato Bashuk. Mevatel Reshuto Venoten Reshuto. Vesheno Meshamer Shabbato Bashuk. Et non mevatel reshut, venoten reshut, mi penechamru, Israël noten reshut ou mevatel reshut, ou beovet kochavim, achiskor. Par contre, un rovet kochavim, lui, ce n'est que s'il est maskir, il faut louer de chez lui le reshut. Il faut louer. Eh bien, les koutim, c'est comme des goïm. Et pour conclure, la Braïta dit « Ketsad, comment est-ce que concrètement on fait le Bitul Reshut? Comment est-ce qu'on accorde son Reshut aux autres ?« Amarlo Reshuti Knuya Lecha, O Reshuti Mevutelet Lecha Kana, Venotzarich Lizkot » On n'a pas besoin de faire une action de transaction commerciale pour donner sa maison aux autres. Il est suffisant de dire avec des mots « Mon Reshut, il est annulé » ou bien mon reshoot est à vous, et automatiquement, son reshoot ne pose plus problème. Je me suis fait comprendre? Oui? Très bien. Maintenant... Ça, c'est quelqu'un qui a refusé à la base. Hein, mais il a refusé de donner son reshoot. D'accord. Pourquoi vous dites ça? Oui, mais t'as une reshoot. Non, il a oublié. Il a oublié de mettre son pain dans la corbeille. Il s'est avéré pendant le Shabbat. Il dit, oh là là, j'étais tellement occupé, j'ai oublié de mettre mon pain dans la corbeille. Donc il est même à tel reshoot. On a dit ça au départ, s'il y en a un qui ne veut pas... Non, pas qu'il ne veut pas. Qui ne veut, s'il ne veut pas... Il peut ne pas vouloir, il peut ne pas pouvoir. Bien sûr, parce que comme vous dites, s'il a fait ça exprès, shmata, alors pourquoi est-ce qu'après il va changer d'avis? Mais là, on parle de quelqu'un qui a oublié. C'est pas un peu baisé. Donc s'il a oublié, il aimait Vatel, mais il s'interdit automatiquement lui aussi. Lui ne pourra pas transférer de chez lui. Bon, maintenant la Gemara revient à un sujet accessoire qu'on a évoqué précédemment. Rappelez-vous, hier, on a étudié un sujet passionnant. Lequel? C'est que Rabbi Zira se disait à chaque fois, il n'est pas possible qu'un tzaddik ait trébuché à tel point de manger du non-kacher. Akadosh Baruch Hu protège les tzaddikim et il les préserve de faire entrer dans leur bouche de la nourriture non-kacher. En Akadosh Baruch Hu mevita kala al yedei tzaddikim. Car si déjà la bête, le hamor de Rabbi Pinchas ben Yair, Akadosh Baruch Hu l'a préservé de manger du non-kacher,
Kal vachomer un tzadik. Et alors Rabbi Zera a eu plusieurs expériences dans ce même sens. Eh bien, la Gemara va nous raconter encore une histoire. Rabbi Zera et Rabbi Assi. À chaque fois, ça tombe avec Rabbi Zera. Il était un jour avec Rabbi Assi, chemin faisant. Durant leur voyage, Ikleru les Pundaka de Yahé. Ils sont arrivés dans un hôtel, une auberge, de la ville qui s'appelait Yahé. Aïtou les Kamaihu Betsim Ametsumakot Beyaïn. On leur a servi à table, dans leur assiette, des œufs battus, des œufs qui étaient d'abord bien bien grillés, ça veut dire on mettait l'œuf à cuire dans le feu, dans le mangal, dans le charbon, longtemps, bien cuit, et après ça, on le coupait en morceaux, on l'écrasait avec du vin, et c'était donc mélangé avec du vin, c'était un genre de plat. Et on leur a mis ce plat dans l'assiette. Rabbi Zera lo achal, puisque Rabbi Zera craignait que le Hama Aretz, c'est-à-dire l'aubergiste qui était un ignorant, n'a pas fait le maaser de son vin. S'il n'a pas prélevé le maaser de son vin, donc son vin c'est du dmaï. Donc il a dit, moi je ne mange pas cet œuf mélangé au vin du Hama Aretz qui est interdit parce qu'il n'a pas prélevé le maaser, c'est du dmaï. Vous vous rappelez c'est quoi dmaï? Damaï. Ça c'est quoi? C'est-à-dire que Minatora, on a le droit d'acheter des fruits chez le Hama Aretz et de les manger. Car la majorité des ignorants prélevaient le maaser. Il n'y avait qu'une minorité qui ne prélevait pas le maaser. Mais malgré tout, Hachavim ont dit, que cette minorité, elle est importante, c'est une minorité non négligeable. On a 40% des Hama Aretz qui ne font pas maaser, c'est beaucoup. Alors quand tu achètes des fruits chez un Hama Aretz, prélève le maaser. Donc Rabbi Zera a dit, moi je ne mange pas de ces œufs-là, où il y a dedans du vin, du Hama Aretz. C'est-à-dire, Rabbi Assi, il a bien mangé. Rabbi Assi, il a bien mangé de ce plat. Amarlo Rabbi Zera le Rav Assi, velo haish mar le taharovet des mailles. Je dis, Rabbi, Rav Assi, vous ne prenez pas en considération le risque que ce vin qui est mélangé dans ces œufs, c'est du dmaï interdit par les chachamim. Amarle lavadatai. Oh là là. C'est-à-dire que comme ce vin était mélangé dans les œufs, ce n'était pas du vin à vue d'œil, alors je n'ai pas réalisé qu'il y avait béhémet du dmaï. Dommage, si je l'avais su, j'aurais fait attention. Amar Rabbi Zera. Efshar gazru taharovet dmaï. Ou mistaï amilta de Rav Assi, le Michal Isura, Ashta behemtan shel tzadikim, en akadosh baruchu mevit akala al yadam, tzadikim atzman lachol sheken. Rabbi Zera, ça l'a beaucoup travaillé cette histoire. Quand il est sorti de là, il réfléchissait, il se disait, mais c'est pas possible. Comment minashamaim, on n'a pas préservé Rav Assi de consommer du non kasher, qu'il a mangé le Isur des Rabbanan, qui s'appelle Isur Demaï. Même la bête de Rabbi Pinchas ben Yair, le hamor de Rabbi Pinchas ben Yair, a été préservé de manger du tevel. Rabbi Assi, Dieu ne l'a pas protégé. Il y a quelque chose là-dedans, il faut que je trouve. Il faut que je trouve un heter. Eh bien, Nafak Rabbi Zera, Dak Vehashka. Rabbi Zera, il est parti, il a ouvert les livres, il s'est mis à travailler, à étudier, à chercher, et il a trouvé. Il a trouvé une justification pour Rabbi Assi. En disant, il n'a pas mangé du issour, il a mangé du éther. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme texte? Il a trouvé une braïta. Alokeyah yayin, la tête et tocha mourias. C'est-à-dire, quelqu'un qui va par exemple acheter du vin chez le Hama Aretz
pour mettre dans le Morias. Qu'est-ce que c'est Morias? Morias, c'est du Shuman Dagim, la graisse de poisson. Il y a des poissons gras, ils prenaient leur graisse, ils faisaient fondre, ils mettaient dedans du vin. Ils faisaient une sorte de sauce. C'était une sauce, après ils mangeaient avec du pain, une très bonne sauce qui est constituée de vin avec Shuman Dagim. Ça s'appelle Morias. Ol et Torah Aluntit, ou bien par exemple du vin qui était mélangé dans Aluntit. Aluntit, c'était une boisson qui était préparée, élaborée à partir de vieux vin, de l'eau et du shemen afarsemon, de l'huile de afarsemon. C'est quoi afarsemon? Aujourd'hui, en Israël, les kakis, on les appelle afarsemon. Ça n'a rien à voir avec le afarsemon de la Mishnah. Shemen afarsemon, c'était une sorte de plante qui donnait de l'huile essentielle, qui avait une odeur extraordinaire. Shemen afarsemon, ça dégage une odeur, un parfum particulier. Donc comment est-ce qu'on élaborait cette boisson? Shemen afarsemon, yain yashan et maim tzlulim. C'est comme ça qu'on fabriquait du aluntit. Donc il y avait dedans du vin. Également, celui qui va acheter chez le Rama Aretz, karchinin, la asot mehem tehinim. C'est quoi tehinim? C'est prendre des karchinin, des grains de karchina, car les karchinim, c'était principalement des graines de plantes qu'on donnait à manger aux animaux. Mais parfois... Pas de l'orge. L'orge, c'est séorim. Karchinim, c'est une autre plante, mais qui est principalement utilisée pour donner à manger aux animaux. Mais parfois, les hommes mangeaient des karchinim. Mais pour les manger, on les coupait en morceaux. On était tohen, les karchinim, et on mangeait, on faisait un plat. Donc, je répète, karchinim, la'asot mehem, tehinim. Des plantes, des graines de karchina pour en faire un plat avec des karchinim qui sont tchounim, qu'on appelle tehinin, comme la tchina. Adashim, la'asot mehem resissim. Adashim, ce sont des lentilles, mais des lentilles qu'on veut faire avec des resissim. C'est quoi resissim? C'est des lentilles concassées. Des lentilles concassées. Dans tous ces cas de figure, Hayav Mishum Dmaï, celui qui va acheter ces choses-là, ces produits agricoles, chez le Rama Aretz, il est obligé de prélever le Maaser parce que c'est du Dmaï. Dmaï, c'est-à-dire les fruits qu'on achète chez un Rama Aretz et on ne sait pas s'il a prélevé. Alors on doit prélever Midera Banan. Vehem Atzman Mutarin Mipene Shem Taharovet. Mais si on a acheté chez le Rama Aretz, non pas du vin, non pas du, comment on appelle ça, des adashim entiers, non pas des karchinim entiers, on a acheté déjà un mélange, on a acheté le Mourias déjà mélangé avec le vin. Les aluntit déjà mélangés avec le vin, les karchinim ou les grissim déjà, les hadashim déjà moulus. Dans tous ces cas de figure, on n'a pas besoin de prélever le dmaï, le maaser. Bien que c'est dmaï, mais dmaï, quand est-ce que Hachamim ont dit de prélever? Que lorsque on achète un produit tel quel, dans, à l'état pur. Mais lorsque ça a subi déjà une transformation, Hachamim n'ont pas institué la nécessité de prélever le Maaser. Je répète, selon la Torah, on n'a même pas besoin de prélèvement. Car la majorité des Amei Aretz prélevaient le Maaser. Qui a dit qu'il faut tout de même prélever? C'est les Hachamim. Alors, Hem Amru, Vehem Amru. Eux ont dit qu'il faut prélever. Eux ont dit que ce n'est pas la peine de prélever si... ce n'est pas dans l'état initial. Si ce n'est pas du vin pur, si ce n'est pas des grissim, ce n'est pas des adashim, des karchinim,
c'est déjà mélangé, alors dans ce cas-là, c'est moutard. Je peux acheter chez le Rama Aretz et je n'ai pas besoin de prélever. Alors le cas de la batterie... Oui, non. Hasve shalom. Oi, oi, oi. Si je sais pertinemment que ça n'a pas été prélevé, alors dans ce cas-là, badaï, c'est du tevel. C'est du tevel badaï. Nous, on parle du dmaï. Dmaï, c'est sa fek, meroussa. Une fois que c'est mélangé, on ne prélève plus. On ne prélève plus. Pourquoi ? C'est mélangé. Parce qu'on ne sait pas si ça a été prélevé ou pas. Oui, mais on sait que... Sur un safek, sur un safek. Non. Je répète. Minatora, on a un safek ? Quel est le din Minatora? C'est Mouta? C'est Mouta. Minatora. Là, c'est Mouta. Demain, c'est Mouta. Ça fait que de Raïta? Alors, je ne me suis pas fait entendre. Je répète. Minatora, il n'y a aucun problème. Même si j'ai un doute, est-ce que le Rama Aretz a prélevé ou pas, c'est Mouta. Lama, on va d'après le Rov. Ahare Rabim Lehatot. 60% des Rama Aretz prélevé le Mahaser. Donc Minatora, il n'y a pas de problème puisque je vais d'après le Rov. Donc Minatora, c'est moutard de manger ça même sans prélèvement. Il n'y a pas de Safek. Puisque quand j'ai un Safek, je vais d'après le Rov. Hachamim ont dit non. Nous, on vient et on institue qu'il faut prélever. Bien que Minatora, c'était moutard, nous, on dit que comme il y a 40% qui ne prélèvent pas, prélève de ce démail. Mais, puisque c'est que Midérabanan, Hachamim ont dit, quand est-ce qu'on a dit qu'il faut prélever? C'est lorsque tu as acheté le produit agricole à l'état pur. Tu as pris du yaïn yaïn. Tu as pris des hadashim entiers. Tu as pris des karchinin entiers. Mais lorsque ça a déjà été mélangé, et ça n'a plus la forme initiale du produit agricole, dans ce cas-là, Hachamim ont dit, ce n'est pas la peine de prélever. On revient au din de la Torah. Minatora, c'est permis ? C'est permis. Donc l'œuf avec le vin, c'est permis. L'œuf avec le vin, bravo, c'est permis. C'est ça ce que Rabbi Zera a trouvé comme justification pour Rabbi Zera, pour Rabbi Assi, en disant c'est pas possible qu'un tzaddik ait mangé de l'interdit. C'était moutard. C'est moi qui me suis interdit inutilement. J'aurais pu moi aussi manger de ce bon œuf. Mais les khatrila, c'est permis de faire comme ça ? Répondez vous-même. Je le fais moi-même, je mets Vatel pour justement arriver à un produit mélangé, pour éviter le prélèvement. Comment ça? J'ai acheté du vin où? Non, je dis qu'on me le mélange, comme ça j'ai plus de problème de prélèvement. Ah! J'ai demandé à qui? Au Rama Aretz, je lui ai dit, vas-y, mélange. Il a fait, bonne question. Quel est le din si je suis malin? Je me dis, si j'achète chez lui le yaïn, et j'achète chez lui le Mourias, et après c'est moi qui fais le mélange, alors dans ce cas-là, ça va me coûter Mahaser. Je vais devoir prélever du vin, Mahaser. C'est pas Kedaï. Ce que je vais faire, je vais être malin. Je vais contourner la loi. Je vais lui dire, écoute, fais-moi d'abord toi le mélange, après tu me vends. Est-ce que ça marcherait? Lisons la suite d'Agmara. La Gemara nous dit comme ça. Velo gazru al taharovet de maï. Ah bon? Tu me dis que lorsqu'on achète chez le Rama Aretz, déjà une taharovette, déjà mélangée, on n'a pas besoin de prélever. Ve'atania. Pourtant, il est écrit dans une baraïta, Hanoten le shechento issa le efot, kedera le vachel, enohoshesh la seor vetavlin sheba, lo mishum shevi'it, velo mishum ma'aser. Ve'im amarla, asili michel lichi, hoshesh le seor vetavlin sheba, Mishum Shevi'it ou Mishum Maaser? Question. Comment tu me dis que si j'achète chez le Rama Aretz un mélange déjà fait chez lui, alors il n'y a pas le Issour de Maï. Il n'y a pas de problème. Je peux manger tel quel. Ce n'est que si j'ai acheté les produits agricoles à l'état pur que je suis Hayav de Maaser. C'est faux. La Braïta me dit que si, par exemple, un homme donne à sa Shechena, sa voisine, qui est une Rama Aretz, il lui donne de la pâte, de la farine, il lui donne de la levure, il lui donne par exemple aussi un plat, il lui donne des tablinim, des épices, parce que c'est une excellente cuisinière, une excellente pâtissière.
Il lui donne donc les ingrédients. Il lui donne à faire. Quand elle lui rend, il n'a pas besoin de se poser des questions. Pas besoin de prélever le maaser. Pas besoin de craindre que peut-être. C'est des tablinim de chevirit et ainsi de suite. Que peut-être c'est de la rissa. Peut-être que c'est des produits de chevirit. De la Shemitah. Pourquoi ? Parce qu'on aurait pu se dire, tiens, moi je lui ai donné des produits, peut-être que chez elle, elle a gardé tout ça pour elle, et elle m'a donné en contrepartie d'autres produits à elle. Les miens étaient déjà prélevés, j'avais déjà prélevé le maaser. Les miens, ce n'étaient pas des produits de Shevirit, de Shemitah, ça je le sais. Mais elle peut-être, que chez elle à la maison, elle a trouvé que ma farine elle est superbe, à qualité number one. Elle a vu que mon séor il est superbe, mes tavlinim ils sont extra, mon plat il est merveilleux. Alors peut-être qu'elle a volé le mien et elle m'a donné d'autres qui est à elle. Et si elle m'a donné des produits à elle, donc c'est des produits pour lesquels je dois craindre que peut-être ce sont des produits de Shvirit, de Shemitah. Je devrais craindre que peut-être il n'y a pas eu le maaser. Et donc je devrais prélever. Eh bien la Braïta me dit que non. Ils ne sont pas hachoudim à la gazelle. On ne craint pas que les Amaret soient des voleurs. Donc ce que tu lui as donné, elle te l'a rendu. Elle a fait de la pâte, elle a fait un plat avec tes ingrédients. Ne te prends pas la tête. Tout est cachère. Ce que tu lui as donné, elle te l'a rendu. Tiens, prélevez-toi le maaser, mange. Toi, tu lui as donné des produits de Shemitah, non. Alors mange. Très bien. Jusqu'ici, tout va bien. C'est la suite qui pose problème. S'il lui a dit, moi je te donne. C'est-à-dire, je te donne la pâte, mais la levure c'est de chez toi. Je te donne plutôt la farine, la levure c'est de chez toi. Je te donne un plat. Mais les tavlinim, les épices, c'est de chez toi. Dans ce cas-là, il faut tenir compte du problème de la levure. Il faut tenir compte du problème de tavlinim. Donc, peut-être que c'est Shemitah. Et si ce n'est pas Shemitah, peut-être qu'il n'y a pas de maaser. Donc, il faudra se comporter avec ces fruits-là comme si c'était des fruits de Shemitah. Il faudra également prélever, parce que peut-être que ce n'est pas de la Shemitah, il faut prélever le maaser. Pourquoi ? Parce que tu lui as dit « Asili Michelichi, fais-moi avec des ingrédients à toi. » Madame, la levure c'est de chez vous. D'accord ? Merci. Madame, les épices c'est de chez vous. Merci. Alors si tu prends un maaret, tu dois faire maaser, d'maï. Tu dois prendre en considération que peut-être Bichlal c'est de la Shemitah. Donc fais attention comment tu manges, comme des produits kadosh de Shemitah. Donc qu'est-ce que tu vois? Tu vois que même si c'est mélangé, tchut, le dmaï il est mélangé dans la pâte, tu vois que les tavlinim ils sont mélangés dans le plat, tout de même tu dis que peut-être c'est du dmaï. Alors pourquoi tu m'as dit que un dmaï qui est mélangé n'a pas besoin d'être prélevé? Parce que Hachamim, quand ils ont dit qu'il faut prélever du dmaï, c'est seulement si c'était à l'état pur, à l'état initial, dans la forme telle qu'un produit agricole, mais pas lorsque c'est mélangé, déformé, transformé. C'est pas vrai, ici on voit que quand il lui dit « Asili, Michelichi »,« Asili, fais pour moi, Michelichi, de tes produits à toi, de tes ingrédients », on voit que oui, il faut prélever. « Kushia », la Gemara répond « Shaneatam ». De kevan de ka amar la asili michelichi, keman de arrive beyadaim dami. Étant donné qu'il lui a dit, fais-moi avec tes produits à toi, c'est comme si c'était lui qui lui avait donné, c'est comme si c'était lui-même qui avait fait le mélange. Et là, on répond à votre question. Vous m'avez posé la question, vous m'avez dit, quel est le din si je dis, oh ama arrête, fais-toi le mélange, après tu me vends. Eh bien, dans ce cas-là, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que c'est comme si c'était moi qui avais fait le mélange. Car je l'ai nommé Shaliyah pour faire le mélange. Nous avons un din, Shlucho, Shel Adam, Kemoto. Le Shaliyah d'une personne, c'est comme la personne elle-même. Donc c'est comme si c'était
le bonhomme lui-même qui avait fait le mélange, quel est le din? C'est sûr que quand il reçoit le produit à l'état pur et après il fait le mélange, la mitzvah de Dmaï est toujours là. Ce n'est que s'il a acheté a posteriori, une fois que c'était déjà fabriqué, déjà mélangé, il vient et il achète, là je dis qu'il n'est pas hayab de prélever. Une autre réponse, Rafram Amar, Shane Seor Vetavlin, Deletarma Avid, Vetarma Lobatil. Deuxième réponse, c'est qu'il ne faut pas comparer l'histoire précédente avec l'histoire suivante. Précédemment, on a parlé de vin. Ici, on a parlé de tavlinim. C'est quoi tavlin? Des épices. Seor, c'est quoi? De la levure. Ça, ce sont des éléments qui donnent du goût. C'est-à-dire, c'est fait que pour donner du goût. À quoi servent les épices? C'est pour donner du goût. Alors là, c'est pas batel. C'est-à-dire, quand tu prends du vin et tu mélanges, c'est vrai que ça donne du goût, mais c'est pas un goût fort. C'est un ingrédient qui est mélangé, mais qui est batel. C'est batel. C'est annulé dans la majorité. Tandis que les épices, ce n'est jamais annulé dans la majorité, puisque c'est quoi sa fonction? Au tabline, c'est donner du goût. Eh bien voilà, ça donne du goût. Donc tu peux pas me dire batel de la minorité dans la majorité. Le vin, il est batel, même s'il n'a pas prélevé le maaser de ce dmaï, mais je dis que le vin mélangé au mourias, c'est quoi l'essentiel? C'est le mourias. C'est quoi l'essentiel de halountit? C'est tous les autres ingrédients. Alors là, je dis que le yaïn est batel, j'ai pas besoin de prélever. Par contre, pourquoi il fallait prélever du mélange de tavlinim et de séor? Parce que séor, c'est le haïkar, la levure, c'est l'essentiel dans une pâte. Prends une pâte, tu ne mets pas de levure. Va manger une baguette sans levure. Tu te casses les dents, tu prends rendez-vous chez le dentiste avant de manger. Hein? Non. Qui a dit que c'est essentiel? Les épices. Non, les épices ne sont pas essentielles. Quand je dis essentiel, c'est-à-dire que ça a une hashivut, ça a une importance qui n'est pas batel. Vous avez raison. Le mot essentiel n'est pas juste. C'est pas le terme précis, vous avez raison. Le terme précis, c'est que c'est important. Et pas batel. Pour que ce soit annulé, la minorité dans la majorité, il faut que cette minorité ne soit pas importante. Par contre, lorsqu'il s'agit d'épices qui donnent le goût, donc ça reste important malgré la minorité. Également la levure. La levure, c'est extrêmement important, car sans levure, la pâte sans le vin, on aura de la matza, pas du pain. Rabbeinu Shalita, vous avez fait une marche arrière de 5 km. Non, parce que je voulais pas vous interrompre. Deux minutes. Alors attendez encore un peu. Donc un ingrédient important qui serait mélangé, pas par moi, mais par quelqu'un sans que je lui demande, il va falloir quand même que je fasse le prélèvement. Je fais pas de prélèvement. Répétez. Un ingrédient important, s'il n'est pas mélangé par moi, mais par une autre personne, donc il n'est pas essentiel, il est mélangé, il va falloir quand même que je fasse le prélèvement, parce qu'il est important. D'après la deuxième... D'après la deuxième réponse de Rafram, d'après la réponse précédente, alors même si c'est important, pas besoin, pourquoi? Parce que ça a déjà été transformé. D'après la réponse de Rafram, oui, c'est la différence entre les deux. La Gemara maintenant pose une question, elle dit, « Ule haloufe lo haishinan ?» Ah bon? Tu ne crains pas que le Hama arrête et échange tes ingrédients par les siens? Tu dis que si tu lui as donné tes ingrédients, ton séor, tes tavlinim, pour mélanger à la pâte ou mélanger au plat, tu ne crains pas que peut-être il a gardé les tiens, il te les a volés et il t'a donné d'autres. Non, tu ne crains pas ça. Pourquoi? Parce que tu dis, ce ne sont pas des voleurs les Améharets. Pourtant, je vais te montrer un texte, une Braïta qui dit que, plutôt une Mishnah, qui dit que oui, on craint l'échange. Alors donc il faut craindre que peut-être que c'est dmaï, peut-être que c'est, comment on appelle ça? Si déjà sur un de ces produits on pense qu'il y a de dmaï, sur un de ces produits, alors je donne mon produit est censé ne pas être dmaï, c'est ça que ça veut dire? Comment il faut comprendre? On avait dit dans la braïta précédente, il y avait deux parties, l'arécha et la sefa. C'est quoi l'arécha? Qu'est-ce qu'elle nous disait? Si tu lui as donné tes ingrédients, alors il n'y a pas de problème.
T'as pas besoin de te prendre la tête que peut-être t'as donné d'autres à la place des tiens. Qu'elle t'a volé les tiens, qu'elle a mis les siens. Tu ne crains pas ça. Donc tu manges tranquillement. Dans la CFA, on a dit, si tu lui as donné que la pâte et pas la levure, si tu lui as donné que le plat et pas les tavlinim, alors dans ce cas-là, il faut prélever. Maintenant, la Gemara dit, pourquoi dans la Recha, dans le premier cas, tu m'as dit qu'on ne craint pas qu'il t'a échangé? Pourtant, nous voyons dans la Mishnah suivante que oui, on craint l'échange. Ve'atnan hanoten la hamoto, me'aser et che'unoten la, ve'et che'unoten mimena, mipeneshi hashuda, mahlefet et amit kalkel. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui a donné à sa belle-mère, qui était une ama'aret, une femme ignorante, il lui donne de la pâte, n'est-ce pas? Il lui a donné de la pâte pour cuire du pain pour elle, pour lui, pardon. À Noten, la Hamoto, il lui a donné une pâte pour cuire la farine pour fabriquer du pain pour lui. Lui, il avait prélevé la Trouma, il avait prélevé le Maaser. Maintenant, écoutez bien, quand il lui donne la pâte, il faut d'abord prélever, obligatoirement. Et quand il récupère cette pâte, il faut prélever une deuxième fois, obligatoirement. Pourquoi? De peur qu'elle ait échangé. La belle-mère, peut-être que elle a vu que ce pain-là, il s'est abîmé. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va dire, attends, je ne vais pas lui donner du mauvais pain, elle va lui donner un autre pain. Elle va lui donner un autre pain. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Elle va manger ton pain, qui s'est abîmé un petit peu. Elle va te donner son pain. Alors c'est la raison pour laquelle, toi quand tu lui donnes, déjà prélève, car peut-être qu'elle va le prendre et elle va le manger. Alors ne lui donne pas quelque chose qui est tevel. Prélève, parce qu'elle risque de manger du tevel. Et aussi quand tu prends d'elle et tu récupères le pain qu'elle a cuit, tu dois craindre que peut-être c'est une pâte à elle et pas la tienne, donc prélève à nouveau celle-là, car peut-être qu'elle a échangé ta pâte qui s'est abîmée contre la sienne qui est bonne. Alors la sienne qui est bonne, c'est quoi? C'est de maille, prélève. Donc tu vois qu'on craint l'échange. Pourquoi tu me dis, le Hamer Aretz n'est pas Hachoud à la gazelle? La Gemara de répondre, Hatam, Kedekatane Tama, Amar Abiyuda Rotsa Betakanat Bita, Ubosha Mehatana. Rabbi Yehuda lui-même a donné la raison. C'est quoi? C'est que là-bas, il y a une raison spéciale pourquoi elle fait l'échange. C'est pas parce que c'est une voleuse. La belle-mère n'est pas voleuse. Mais c'était au contraire. Parce qu'elle a honte de son hatan. Et elle veut pas qu'il y ait des problèmes de shlom bayit avec sa fille. En disant, qu'est-ce qu'elle me fait ta mère? Je lui ai donné une pâte qui était tellement bonne. Elle m'a donné du pain sec. Elle me l'a abîmé, cramé, carbonisé. Alors, elle est bocha mais hatana, donc ça part d'un bon sentiment. Justement, pour gâter son gendre, elle veut lui offrir le meilleur pain. Et donc là, on craint qu'en effet, elle considère que ce n'est pas du gazelle, car elle garde le mauvais, elle lui donne le bon. C'est la raison pour laquelle on craint l'échange. Donc au moment où il lui donne meroussa, et quand il récupère... Également, il doit refaire le maaser. Et la Gemara dit, ou les Alma, l'Ohaïshinan. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me dis que c'est que par rapport à la belle-mère, qui est bienveillante à l'égard de son gendre, c'est là où nous craignons qu'il y a eu échange. Mais sinon, de manière générale, les Alma, on ne craint pas l'échange. Pourquoi? Parce que tu dis que le Hamaretz n'est pas voleur. Pourtant, il y a une Braïta qui dit, pardon, c'est une Mishnah dans ma Sechet Demaï qui dit, Hanoten, la pundakit shelo. Mais aser et chunoten la, vet chunotel hemena, mi peneche hashuda mahalefet. C'est-à-dire que si par exemple, quelqu'un vient chez l'aubergiste et lui dit, madame, ça vous dérangerait pas de me cuisiner ce pain, se cuire ce pain ou cuisiner ce plat, même si c'est lui qui a donné les ingrédients, quand il lui donne, il faut d'abord qu'il effectue les prélèvements pour qu'il lui donne à manger cachère, parce que si jamais elle lui vole, il faut qu'elle mange cachère. Alors prélève d'abord, et lorsqu'elle te rend, elle t'a peut-être rendu quelque chose qui est à elle, alors prélève une deuxième fois.
Et pourtant, on ne parle pas de belle-mère, on parle d'aubergiste. Ça veut dire que, oui, en effet, il y a lieu de craindre que le Rama arrête, te vole. La Gemara dit Hatam Nami, Moria ve Amra, Barberav, Lechul Hamima, ve Ana Ichul Kerira. L'aubergiste en question ici, ce n'est pas quelqu'un qui voyage et qui passe par une auberge, par un hôtel. Non! On parle ici de l'aubergiste dans le sens de l'hébergement. C'était un Bahour Yeshiva qui étudiait à la Yeshiva ici, mais il n'avait pas à l'époque d'internat pour que les Bahourim mangent et dorment à la Yeshiva. Alors ils dormaient quelque part et ils allaient manger chez la famille chez qui ils étaient hébergés. Ou même carrément, ils pouvaient même dormir chez eux, avoir une chambre. Et il mangeait là-bas. Alors lui, le Bahour Yeshiva, il peut apporter de la farine et tout, des produits agricoles que lui a achetés, il a prélevé et ainsi de suite. Il dit, madame, ça ne vous dérangerait pas de me cuire ce pain, de me cuisiner ce plat? Elle a raté son plat. Elle a cramé le pain. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dit, c'est un Bahour Yeshiva Mskin. Lui, il va manger du pain abîmé, un plat abîmé. Ça, je vais le garder pour moi. Lui, je vais lui donner du meilleur. Alors, elle va prendre de son armoire de la farine, elle va faire une nouvelle pâte, elle va prendre de son frigidaire des nouveaux produits, elle va lui donner. Ça part d'un bon sentiment. Là aussi, comme dit la Gemara, réponse, « Hatam name moria ve amra barberav lichul hamima ve ana ichul kerira. » Lui, je voudrais lui donner du pain frais, du bon pain, un bon plat, et moi je mangerai le froid, l'abîmé. Ça, c'est quelque chose qui peut arriver. Pourquoi? Non pas parce qu'on les soupçonne de voleurs, c'est pas, au contraire. On pense que, par gentillesse, par bienveillance, elle risque de nous mettre dans l'assiette quelque chose de non cachère, quelque chose qui vient de chez eux, qui est de maille. C'est la raison pour laquelle il faut prélever à l'aller et au retour. Prélève quand tu lui donnes, parce que peut-être elle va te manger ton plat, il faut qu'elle mange cachère. Prélève à nouveau quand elle te rend, parce que peut-être qu'elle t'a échangé. La Gemara pose encore une question. Et elle dit, ah bon, franchement, tu ne crains pas le voleur ou les haloufés le haïchinan? Pourtant, il y a une braïta qui dit, « Ve'atania, eshet haver, tohenet im eshet ama aretz, bisman sheitemea, aval lo bisman shehi tehora. » Qu'est-ce que ça veut dire? Merci. Dans la Braïta, il est écrit qu'une eshet haver, c'est quoi haver, les amis? Talmid haram. Pourquoi un talmid haram s'appelle haver? Parce qu'il crée le hibour dans le monde, dit le Rambam. Talmide hachamim marbim shalom baolam. S'il n'est pas marbé shalom, c'est que ce n'est pas un tamid hacham. Haverim, eshet haver ke haver. La femme d'un tamid hacham, c'est comme un tamid hacham. Eshet ama aret, c'est comme un ama aret. Alors, on a maintenant deux femmes qui travaillent ensemble. La eshet ama aret, dit au eshet haver, viens m'aider à moudre le blé de mon mari. Elle a le droit de le faire quand elle est Tmea. Elle est par exemple Nida. À l'époque, ils faisaient attention de ne pas toucher, quand ils étaient Nida, de ne pas toucher des aliments, parce qu'il peut y avoir des gens qui mangent Hulin al Taharat à Kodesh, ou bien après il va falloir prélever la Teruma, tu vas donner la Teruma Tmea au Kohen. Alors ils faisaient attention. Mais Kitsur, quand elle est Tmea, elle peut aller l'aider à moudre le blé. Pourquoi? Parce qu'on est sûr qu'elle ne va pas toucher le blé. Et alors, elle ne va pas, par inadvertance, elle ne va pas manger du démail, ce qu'elle mou. Puisqu'on sait qu'elle ne va pas toucher. Avalo bisman sheiteora. Mais lorsqu'elle est, elle n'est pas Nida, cette femme de Tamid Haram n'a pas le droit d'aller l'aider. Pourquoi? Parce qu'elle risque d'en manger, et elle va manger de quoi? Du tevel. Du blé qui est hayav
d'être prélevé, et ça n'a pas été prélevé, puisqu'on parle ici d'Aram Haaretz. Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Af Bisman Sheitme Alotithon, Mipene Shehaver Tanotenet Lav et Ochelet. Rabbi Shimon ben Elazar, il est plus Mahmir que Tanakama. Il dit même lorsque la femme du Tanit Hacham est Nida, elle est Tmea, il ne faut pas qu'elle aille l'aider. Pourquoi? Parce que très souvent, la femme du Rama Haaretz, elle en prend de cette Tevoua et elle lui donne à la femme du Haver, elle lui dit, allez, mange, mange, tu as faim, mange. De quel droit, madame, tu donnes à une étrangère du blé? Mais ce blé-là, il appartient à ton mari. Puisqu'il appartient à ton mari, tu n'as pas le droit de lui donner. Alors la Gemara dit, si déjà elle est capable de voler de son mari, alors c'est sûr qu'elle est capable de faire échange. Hashta migzal gazla halufe mi baya. Alors la Gemara de répondre à Marav Yosef, hatam nami, moria ve amra, Torah mi disheka achil. Là-bas, la femme du Rama Haaretz, elle ne considère pas que c'est du vol. Pourquoi elle ne considère pas que c'est du vol? Parce qu'elle dit, étant donné que la femme du Haver est venue m'aider, alors c'est comme ce que la Torah nous dit à propos d'un bœuf. Un bœuf qui bat le grain. C'est écrit dans la Torah, Lotahsom Shor Bedisho. Ne mets pas de muselière au taureau, au bœuf, lorsqu'il tire la charrue ou bien lorsqu'il bat le grain. Faut pas lui mettre une muselière. Pourquoi? C'est une souffrance. Pskin. Il voit tellement de céréales et il ne peut pas manger. Haram. L'otahsom shorbedisho. Laisse-le manger pendant le travail. Il travaille. On va dire en quelque sorte, c'est le salaire de son travail. Au moins qu'il puisse manger pendant qu'il travaille. La femme du Rama Haaretz dit la pauvre femme ici qui travaille avec moi depuis des heures. Elle voit tout ce blé-là, elle ne peut pas manger un petit peu. Par pitié pour elle, elle prend un petit peu, elle lui donne. Ça, c'est du vol. Elle considère qu'elle ne vole pas son mari. Pourquoi? Parce qu'il était du devoir de son mari de permettre à cette femme de manger. Parce que si déjà une bête comme un bœuf, on doit le laisser manger, à plus forte raison, un être humain. Qui vous a dit ça? Je sais pas, de la même façon qu'on dirait pas beaucoup de la suite de la chose. C'est la femme qui est allée chercher la voisine ou la voisine qui est venue chez la femme. Oui, mais ça. Je refuse ça, c'est par hasard. Mais son mari. Si on prend en considération que le blé ne lui appartient pas et qu'elle va voler son mari. Donc, de la même façon. Donc, ça change rien à la donne. Excellente question. La réponse, c'est que le mari lui a dit tu peux demander à la femme de t'aider. Et puisqu'il lui a dit, tu peux lui demander de t'aider, la femme en déduit qu'on peut aussi lui donner à manger. Et donc, puisque ça part d'un bon sentiment, on n'a pas de preuve pour un cas général, c'est-à-dire un Rama Haaretz normal n'est pas voleur. Une Rama Haaretz normale n'est pas voleuse. Donc il ne faut pas craindre que peut-être la personne a fait échange du produit que tu lui as donné. En général, non. Ah, dans ces cas exceptionnels, pourquoi est-ce qu'on craignait l'échange? Parce que, ou bien même pas seulement craignait l'échange. Carrément, on voit ici qu'elle a volé. Réponse, elle, dans son esprit, elle n'a pas volé. Elle a donné ce qui revenait de droit à la femme du Talmid Chacham. Et dans la suite, maintenant, on va s'arrêter là parce que la suite, c'est encore, toujours dans le même ordre d'idées, où Rabbi Zera, pardon, pas Rabbi Zera, où la Gemara va nous dire que, comme Rabbi Zera avait dit, il n'est pas possible qu'un tzaddik mange du non-kacher, comme si déjà une bête d'un tzaddik ne mange pas non-kacher, à plus forte raison un tzaddik, là encore, nous allons voir une histoire au travers de laquelle il va se passer la même chose, c'est que Hashem Itbarach va protéger et préserver le tzaddik de manger du non-kacher. Alors, ce soir, ce ne sera pas possible. On laisse pour demain. Be'ezrat Hashem. Ce soir, entre midi. Non. Ah oui, excusez-moi, pardon, je dis une bêtise. Ce soir, Be'ezrat Hashem.
entre Mincha et Arvit, on continue. Bien sûr. Entre Mincha et Arvit. Mais on va s'arrêter à moins 5, à moins 10, moins 5. Et à ce moment-là, on fait Arvit pour pouvoir revenir à 17h30. Je ne sais pas comment on fait.